Bonjour YouTube, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du Metroid Prime 3, je ne sais pas pourquoi je hurle comme ça dans le micro. Désolé pour ce début de vidéo. Silent Genius vous dit coucou YouTube. Et on était dans le brio, dans Metroid Prime 3, corruption. Je sais plus hein, je vous avoue je me rappelle plus mais on va retrouver, vous inquiétez pas. Tiou. J'aime pas Noël, mais j'aime pas plus les gens qui disent l'IAM. Au lieu de mail, vers le nord, c'est... Non, non, en fait, non, tu mérites pas celui-là. Tu mérites pas celui-là. Voilà, tu mérites celui-là. Tu mérites celui-là et tu mérites celui-là aussi. Voilà, la totale. Tu as tout, là. Tu as tout. Tu as le droit à tout. Faudrait faire un jeu de baston avec les frères Gallagher. Manchester Streets of Rage. Et tu aimes bien Oasis, pomme et poire. Moi j'aime pas l'Oasis, c'est dégueulasse l'Oasis. Qui boit du Oasis? Ah, fallait pas du tout que j'aille là, si. Détruire la signature d'énergie? Oh, je sais plus. Hein. Je sais plus. Hein. Donc on va avancer. On va avancer, on va voir si on trouve quelque chose ici. Hein. Ah, je sais plus ce que j'ai comme... j'ai des trucs. Hein. Mais non, mais... Mais non. Arrête. Arrête, Samus Sama. Alors, je suis extrêmement désappointé parce que j'ai plus de... Alors donc, je suis vraiment désappointé parce que chez moi, présentement, je n'ai plus de chocolat. Et je n'ai plus non plus de biscuits. Et ça m'ennuie, vous n'avez pas idée. J'ai jamais ni l'un ni l'autre, mais comment tu survis? Voyons. Allez, les chargements. Pourquoi Nintendo un jour a s'est dit, tiens, je vais repasser au CD plutôt que les cartouches. Ils se sont dit que c'était une bonne idée de repasser au CD. Canon anti-aérien, Tiama connecté. Le système d'armement, pareil, senseur personnel et déployed. La graine de Léviathan s'est enfoncée dans la planète, actuellement protégée par un bouclier d'énergie. D'accord. Le panneau de sécurité est verrouillé et empêche l'accès au hall. Impossible d'ouvrir de ce côté. Ah d'accord. Waouh! Données Bayonet traduites. La proie transférée vers la banque de données. Une petite réserve de missiles. Allez hop! Tu survis sans. Ah non, mais c'est impossible. Là, moi, là je suis mal. Hein. Pas de. Pas de chocolat, pas de biscuits, le goûter il va être triste. Hein. La merde.
Attendez. Comment j'appelle mon... Non. Je peux pas appeler mon vaisseau là ? Vaisseau ! Ouh, vaisseau ! Vaisseau ! Oh mais les chargements sur CD, c'est tellement long, c'est tellement long, c'est tellement chiant. Il y a un passage là. Non ? Quoi ? Je sais pas. Il y a l'air d'avoir un truc. Hein. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est ça. Ah, mais attendez, c'est pas ça ? Ça y est. Je me rappelle. Ça y est, je me rappelle. Regardez. Ah, bah, c'était pas ça. J'avais oublié. Coucou Patatarte. Ah non. Deux tourelles anti-aériennes. Votre vaisseau ne pourra pas effectuer un tir efficace tant que les deux canons sont actifs. Je suis pris au piège. Hein ? Et pourquoi je suis mort en 2 secondes là ? Le brio. Pourquoi je suis mort en 2 secondes ? J'ai pas pigé ? Je vous jure, j'ai rien compris. Oh, putain, mais Eh, il est mort mon lecteur de CD de la Switch là ou bien là ? Allez! Faut s'ouvrir maintenant, merci. Ok. Allez. Donc là, on dit bombarder, on se fait défoncer.
On essaie de s'en aller. Mais là, on se fait coincer. Merde. Alors, par où faut que j'aille? À gauche ou à droite? C'est la même. Ah non, d'accord, ok, à gauche, je vais désactiver la toile de gauche, et puis à droite, la toile de droite. Mais ça fait un tour, donc... Oh là là. On entend un truc derrière. Alors, le disque de pierre ferme le tunnel. Passage impossible tant que le disque reste dans cette position. La rampe est maintenue en place par des attaches. Une forte explosion pourrait probablement les détruire. Alors, est-ce que ça, je peux y aller? Ah non, ça, je peux pas passer dans ce sens-là, ok. Ouais, c'est ouf. Où est-ce qu'il faut que je vise? Je sais pas. Hop, bon allez, on va essayer. Merde! Ampre abaissée en position, réservoir de carburant gel attaché en dessous et susceptible de réagir à un tir explosif. Ah oui, d'accord. Là, par contre, là, faut que je fasse péter ça. Puis derrière, hop, je saute. Voilà. C'est moi le mixage, j'ai vraiment fait à la bite. Toile de classe toile de classe remords. Système de défense pirate, vulnérable aux explosions. Hein? Je peux sauter là-dedans ou pas? A priori non.
Meuvlar. Ils sont en train de charger le truc là. Ça verrouille pas, ça verrouille pas. Ils sont où? Il est là. Attendez, est-ce qu'il y a un truc là? Ah nanana, utiliser la valve dessous pour ouvrir toutes les chambres à munitions. Ok. Je comprends. Allez! Tiens là-dessus. Voilà. D'accord, après il y a un bouclier. Merde. Ah oui d'accord, ils deviennent de plus en plus balèzes. Salaud. Allez, non! Putain, c'est où? Je l'ai cassé! Non, non, non! Pourquoi ça m'a foutu du phason? Pas bien. Vu que vous voulez pas jouer à Overcooked, bah j'y joue avec ma fille, Na. Oh là. En plus, j'ai proposé. Complètement désactivé, impossible de le réparer. Pourquoi? Pourquoi c'est impossible de le réparer? Pourquoi ça serait impossible de le réparer? Mis à part si je l'ai détruit avec du scénarium. Bah tu sais quoi, c'est très bien que tu joues à des jeux avec ta fille. Voilà. Ta fille doit être meilleure que Tonya. Bah ça, par contre j'en doute absolument pas ça. Hein. Ça c'est zéro doute. Hein. Attendez, c'est quoi ce truc là? Parce que j'ai pas scanné.
On peut détruire, mais c'est juste... C'est juste pour la déconne, quoi. Merde! Énerve-toi. Il pas fêlé le mur là ou un truc dans le genre, non? Non. Bon. Le piston est coincé, une traction suffisante pourrait la baisser temporairement. Ah donc ok, faut que je pistonne là. Il est où le piston? Ah il est là. Pas du tout. Bonjour, pas du tout. Ah, reviens. Mais non. Mais non, mais... Nice. Nice. Nos réserves de missiles vaisseau obtenues. D'accord, ok. J'ai un missile de vaisseau en plus. Bonne nouvelle. Quoi? Genre je vais pas scanner ça quoi. Ok. C'est chelou. Hein? Matière dangereuse, ouais. Je joue avec mes enfants aussi, sauf que j'en ai pas, donc je joue... qu'il y a des jeux solo. Alors après, le saviez-tu, il y a des personnes dans le chat, là, qui ont fait Overcooked seul. Des personnes un peu barjo, qui terminent des jeux normalement multi en toutes seules. Des personnes, ouais. Tu dois être tunique, peut-être. Le sujet semble avoir été coincé, abattu et les tirs de 6 attaquants différents. Dis donc. Mine antipersonnelle pirate, elle explose si vous approchez. Faites-la exploser à distance. Et c'est que là, incrusté dans le corps de la cible indique qu'elle a été tuée par l'explosion d'une mine. Il y avait une mine là. Merde, j'étais trop près. Quel dommage. Bon, me v'là. Ça va faire la même évidemment. Mais plus dans ma tête, je suis jamais en solo. Ah. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Aéroporté, ok. Hein, utiliser la valve en dessous pour ouvrir toutes les chambres à munitions. Ce bouclier d'énergie fait partie du système de défense du canon. Détruisez le canon pour le désactiver. Ouf. Aïe. Est-ce qu'il y a un autre truc là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça?
Générateur pour alimenter des appareils de grande taille. Il semble possible de le déplacer. Ouais, mais là, je peux pas, là. Là, présentement, je peux pas. Cette valve sert à ouvrir manuellement les chambres de chargement du canon et est maintenue par plusieurs attaches. Les attaches verrouillent la valve de chargement des munitions. Retirez-les pour exposer les munitions. Je peux pas. Attendez. Quoi là-haut? Ce levier permet de contrôler manuellement le verrouillage du canon tiré pour retirer une des attaches. Attendez. Ah, je peux monter, regardez, je peux monter, ça y est. I've got it. C'est bon. Merde. Non mais barrez-vous, barrez-vous. Barre-toi toi. Non. Oh l'enfoiros. Ah ouais d'accord. Ah oui non, ils vont me faire chier jusqu'au bout quoi. Allez, de 1. Merde, mais non mais... Allez. Allez. Non mais, non! Vas-y Samus! Merci Samus! Merde, 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 merde! Ben voilà! A tout cassé? J'ai tout cassé! Ouais, les ennemis sont morts en même temps. Ça a tué les ennemis. Ils se sont dit, ah là là, notre truc est plus là. Quelle horreur. Mourons. Point d'attache viable identifié, grappin de la combinaison de puissance insuffisant pour interaction. Ah. Levier tiré. Ouais, peut-être que, regardez. Le vaisseau n'est pas équipé pour faire cette... Ah ! Ah ! Je vais donc avoir des upgrades pour le vaisseau. Ah. Merde, je vais à l'envers là. Non, 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 faut que j'aille de l'autre côté. De l'autre côté ! Là, il y avait un truc là. Ouais, donc c'est. Oui, c'est quand j'aurais déplacé le gros machin là. Ouais, ça doit être dessus et du coup. Quand je vais l'avoir déplacé, ça va me filer un passage.
Rappelez-vous qu'il y a un truc ici. Hein. Faudra me le rappeler. Hein. Merci, cordialement. Oui, il est rouge l'ascenseur. J'arrive vous là. Ah d'accord, ok. Oh, le verrouillage qui marche un coup sur 12 quoi. C'est un peu l'enfer. Hein. C'est où faut que je tire? Il contrôle un système de disque à proximité, actionner la pompe. Faire tourner le disque, ok. Voilà. Oh non. Non, attendez, oui. Oui. C'est bon, pour une fois ça a marché. J'ai pas eu à secouer ma zizimote pendant 12 heures. C'est rare. Hein. Parce que d'habitude ça marche pas du premier coup. Hein. Encore là eux. Chier. Hop. Voilà, bisous. Et là, bombarded. Oh là là. Les explosions. Ils sont bien embêtés là. Hein. Générateur du bouclier détruit. Production d'énergie nulle. Réparation impossible. C'est vrai que là il est bien endommagé. Hein. Déjà la graine hein, instable mais toujours opérationnelle. Eh bien ça tombe bien. En fait ouais non, il va falloir que je fasse de... Ouais non mais ouais. En fait j'aurais dû faire ça déjà de l'autre côté. Mais j'ai oublié, enfin j'ai oublié. J'avais pas compris ce qu'il fallait faire. C'est un peu long les chargements. ...400 ennemis vaincus. Oh là là. Eh c'est Je suis en train de me dire que c'est un des rares jeux Nintendo où il y a des succès en fait. Parce que alors Nintendo on sait que les succès c'est pas vraiment leur truc quoi. Et en fait là il y a des Ouais. Ouais. Il y a des succès in-game. Et ils ont jamais recommencé après. C'est une grenouille ? Pourquoi il y a une grenouille ? Oh il s'est mis dans le feu ce con !
Non, non, mais... Non, mais non, mais arrêtez! Voilà, mourrez, merci. Hop. Voilà. Plus rapide quand même. Silent, c'est une malcave. Comment ça, c'est une malcave? Comment ça, c'est une malcave? Qu'est-ce que ça veut dire, malcave? Je sais même pas ce que c'est. Merde. Attendez, mon écran s'est arrêté. Ah non, c'est bon. J'ai regardé un petit peu sur ma sur mon retour OBS à ce moment-là. Parce que l'écran s'était arrêté. Ils sont barrés, super. Ils ont eu peur de moi, vous avez vu. C'est quoi ça? Quoi tout là-haut? Après, je prends par où? Je prends à droite. Est-ce que je suis une malcavienne? Vous êtes plusieurs dans sa tête. Ça fait rêve, ça fait une ref à quoi en fait? Sauvegarder et entrer. Et donc là, je vais enfin faire ce pourquoi je suis allé là-bas la première fois, mais où j'avais pas du tout pigé qu'il fallait appeler le vaisseau. Dommage. Ah oui, c'est vrai, c'est là où on a chopé un truc du surfeur d'argent là. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, c'était ça. Ah merde, c'est à l'autre bout quoi. Ah, je me suis bien fait avoir quoi. Merde, il y a du monde là. Merde. Ah ou alors on passe en dessous là, c'est ça?
Ensuite, la suite évidemment. Si je peux aller en haut, c'est pas plus mal. Donc je peux pas. Il faut que je fasse le grand tour. Vous avez vu qu'il y avait une réserve de missiles? Allez, pan la faune et la flore là. Ah merde, c'est parce qu'il y avait un truc à récupérer ici, j'ai déjà récupéré. Flûte. Voilà, c'est ici qu'on avance. Ouais. Quel génie. Allez, ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Allez, tourne! Oh là là. Et là, je vais où? Là, faut que j'aille à gauche, c'est ça? Là, faut que j'aille à gauche, ouais. Ah oui, c'est ça. Merde. Une petite sauvegarde là. C'est long. Tout ça parce que je me suis gouré. Enfin, tout ça parce que j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. C'est un peu con. En même temps, ça reste Metroid. Hein. Metroid, on sait. C'est du backtracking. Et en fait, là, ce que j'ai obtenu, c'est le savoir. La connaissance. Elle meurt.
Ah c'est vrai, le miel. Le miel. Pas bien le miel. On le sait maintenant, le miel pas bon. Mais merde, il est pas mort. Aïe, 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 aïe. J'ai mal. Vas-y, merci. Lock. Putain, mais non, mais Samus. Samus, à un moment. Lock les... Non mais lock les ennemis. Lock les ennemis. Là vas-y tu peux y arriver. Oh bah dis donc elle a réussi à locker un ennemi. Eh dis donc. Attendez c'est ça qu'il faut... Il faut faire. Pourquoi je suis là? Canon encore en construction, il se semble presque terminé. Canon semble être le modèle 1, construction inachevée. Quantité de maldium. Ah oui c'est ça, d'accord, ok. J'ai compris. Allez, non, non, non! Non, mais non, mais Samus! C'est pas drôle! Brouillé par un appareil? Par quoi? Nos armes, ok. Bon, chiant, non? Heureux, Goebbels. Attendez, parce que... Vas-y, il m'énerve. J'ai tout mis à côté, hein. Non, c'est pas ça! Putain, c'est blasé. Je go en lurk, bonne chance. T'as des meilleurs qu'on y croive. Ah, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Système d'ascenseur opérationnel. Vas-y, canon pirate était totalement détruite, impossible de réparer l'unité. Le canon pirate est totalement détruit, impossible de réparer l'unité. Merci. Pourquoi je suis jamais venu là la dernière fois? Je suis jamais venu là la dernière fois? Si. Non? Peut-être?
Bah si, je suis venu là, vu que j'ai balancé... Oh non, mais barrez-vous. Oh, j'ai eu mal. Hein. Oh, j'ai eu mal. Allez, un peu de santé, ça fait du bien. Ouais, merci. Et ça, je l'avais déjà fait. Et pan. Et là, on a tout cassé. La graine de Léviathan n'est plus protégée par le bouclier d'énergie et peut être atteinte en vaisseau. Atteinte genre cassée ou non? A priori, c'est pas. Quand il dit d'atteinte, c'est pas atteinte de loin. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, oui. Oh, attendez. La graine est sans protection. Vous allez jusque là-bas et trouver un moyen de la détruire. Appuyez sur 1 pour accéder à l'écran des cartes. Non, mais c'est bon. J'ai compris. Merci. C'est le jeu. Attends, du bouclier déconnecté. Ah oui, d'accord, c'est juste ça, ok. Ça passe là. Oui. Allez, tu peux le faire. Bon, là, il y a plein d'ennemis, a priori. Voilà, bah je peux pas y aller. Impossible d'y aller avec l'équipement actuel, ok. J'ai pas mon... Je peux pas lui dire d'atterrir ici? Non, bah non. Évidemment, ce serait trop simple. Ce serait trop simple si jamais je pouvais appeler mon vaisseau.
Mais pourquoi lui il peut me tirer dessus et pas moi? Et l'inverse ça marche pas. Pourquoi? Pourquoi c'est dégueulasse? Raccourci qui m'amène où? Ah bah tant pis. Tant pis pour... tant pis. Ah c'est sûrement qu'il y a un raccourci aussi ici alors. Ouais, faut, en fait faut le débloquer, ok. Je viens de comprendre comment ça marchait. Bon. Attendez, j'ai pas le temps de boire. Sauvegarder et aller dans le vaisseau. Oui, je vais à la graine, ouais. T'énerve pas. T'énerve pas le jeu, j'ai compris. La fameuse petite musique jouée par le vaisseau à chaque fois que je sors. Qu'est-ce que c'est que ça? Structure organique intelligente, les tentacules de Phazon sont dangereux, mais on peut toucher le sommet. Le bruit... Non mais ça, le bruit l'insecte, ok, j'ai compris. Non mais non, je veux le truc sur lequel ils sont. Nombreuses glandes capables de générer des quantités massives de Phazon. Ce champignon parasite dépend de la graine pour survivre, il est saturé de Phazon, mais pas encore dangereux. Ok, donc plein de trucs, plein de Phazon. Est-ce que je dois en avoir peur? Je ne sais pas. Est-ce que je viens de me péter la tronche? Évidemment. Non, ça sert à rien. Porte un bouclier d'énergie, n'importe quelle arme peut le désactiver, c'est parfait. C'est dégueulasse. Ce qui est exposé, le sang de cette masse organique semble être à son seul point faible. Voilà. Macro contient 10 missiles, ok.
se passe là? Qu'est-ce que c'est donc? Ancien golem de guerre, Repticulus semble recevoir de l'énergie du noyau de la graine. De grandes quantités de phasons sont émises par le noyau de la graine dans le golem. J'ai quand même l'impression que ça va être pour mon cul, ça. Comme par hasard. Comme par hasard. Qu'est-ce qu'il me fait ? Mais t'es moche, dis donc. Mais t'es sacrément moche. Ah oui, d'accord, donc ça me touche. Mojnar, golem de guerre Repticulus, des orbes semblent être à sa source d'énergie. Merde. Mais c'est quoi ces conneries? Je mets tout à côté. Ah non mais regardez, c'est en haut. Non? Bon, je comprends rien. Comme d'hab dans les boss de Metroid, je comprends rien. Oh, a pris. Merde, j'arrive pas à sauter. Il rigole. Tiens, tu rigoleras à moi. Ah, faut que j'aille au phason là, c'est ça non? Ah, j'imagine que c'est ça. Merde. Oh là là, mais merde. Qu'est-ce qui se passe? Non. Cristaux de phason alimente un bouclier, une explosion près des pieds pour les détruire. Ok. Coucou Season, salut tout le monde, salut tout le monde. Merci beaucoup pour le raid Season. ah là là, à chaque fois que vous venez, vous allez dire il comprend jamais rien. Quel gros sac. Et finalement, vous auriez pas tort. Allez, pan. Un de moins. Et deux de moins. Coucou, quel gros sac. Mais oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi, le gros sac. J'espère que vous allez bien. Vous étiez sur quoi? Merde. Non mais arrête, mais autre chose. Non mais le jeu. Le jeu. Ah oui, c'est ça, ouais.
Et merde, j'ai plus de phason. I've got no phason anymore. Aïe, aïe. Il se marre, il se fout de ma gueule ce con hein. Merde, merde. Non mais ça... Merde. Le phason. Je suis en train de mourir du phason. Ah mais je suis en train de crever. Ah mais j'ai vraiment plus de vie en fait. Aïe. Pas le con. C'était sur FF14, ok. Ah mais merde, il a remis ses pieds en titane là. Non mais il me restait un d'énergie. Salut Oxy... Attends, Oxy de Cobalt. Bienvenue à toi. Et coucou Mikage et merci beaucoup pour le 9e mois d'abonnement. Combien ? 9 mois et salut Chou. J'espère que vous allez bien tous. J'ai chaud. J'ai chaud mais en même temps vous avez vu comment je suis habillé. J'ai un gros pull. J'ai un gros pull alors évidemment j'ai chaud. Ah, bon. Le brio. Donc, j'ai un peu plus compris qu'est-ce qu'il fallait que je fais contre le boss. Est-ce que je vais mieux y arriver? C'est pas sûr. Mais déjà, un peu mieux compris. Est-ce qu'il faut que je rescanne tout? Non. Ça garde les scannages, c'est trop bien. Faudrait récompense. Tommy Joe torse nu avec des scotch sur les tétons. Est-ce qu'on a le droit d'être torse nu sur Twitch ou pas? Parce que c'est pas que... Twitch c'est pas que que montrer les tétons hein, il me semble. Il me semble que c'est pas que ça hein. Merde. Hop là. Bon, j'ai récupéré des trucs. Ça. Ok. Hop, cinématique. Passe la cinématique. Merci. Ok, bon. Déjà, on avance plus vite que tout à l'heure. Hein. Merde. Merde. Oupède. Est-ce que je peux recharger? Comment je vois ma dose de... Ah ouais, voilà. Hop. Merci. Ma dose de phason. Et scotch. C'est pour pas se faire ban de Twitch. Oui, mais justement, je suis en train de dire, est-ce que y a que les tétons pour Twitch? Il me semble que, en fait, c'est être torse nu qui est interdit. Et pas juste les tétons. Merde. Merde. Encore merde. Attendez. Attendez. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il s'est rechargé là, il s'est rechargé. Merde. Allez. J'aime bien le petit rire. Le petit rire du golem quoi. Oh merde!
Vas-y, vas-y, vas-y. Là, faut que j'attende que ça recharge un peu. Hop, attendez, hop, dans les pieds. Allez. Ah, il a un truc dans le dos. Ah, le salaud. Merde. J'avais pas vu qu'il avait un truc dans le dos, cet enfoiré. Oh merde. Allez, allez. Et merde, je me fais toucher. Merde, merde, merde. Non, arrête. Mais ouvre ton truc. Ok, bon. Aïe! Il m'a fait mal! Vas-y, 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 vas-y. Non, touche! Énergie faible? Mais comment ça se fait que je suis... J'ai rien pris? Pas assez de réserves d'énergie pour passer en hyper mode? Ah bah super! Je fais comment pour récupérer de l'énergie là? Merde. Aïe. 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 Mais ouvre ton truc. Ça y est, il est mort. Je l'ai eu. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y a Samus qui a l'air d'être pas bien là. Ah bah bégère. Voilà. je l'ai dit hein, je l'avais dit. Je l'avais dit qu'elle allait gerber. Ah là, la gastro. Hyperboule. Comment ça, l'hyperboule? For all streamers, you must cover the area extending from your hips to the bottom of your pelvis and buttocks. En fait, l'interaction des tétons, c'est pour les femmes cis-trans uniquement. Allez, bah, voilà, donc il n'y a pas le droit d'être torse nu. Attends. The hips... non, je sais pas. On s'en fout. C'est quoi l'hyperboule? Si, tu peux t'identifier comme un zom. Comme un zob. A mise à jour de l'armure obtenue.
Hyperboule connecté. En hyper mode, appuyez sur C pour passer en boule morphing, puis maintenez A enfoncé, puis utilisez l'hyperboule. Quoi ? J'ai rien compris comme d'habitude. Ah oui, regardez. Dégueu. Bonjour, c'est dégueu. J'ai l'impression que Samus, son corps change là quand même. Hein. J'ai quand même sérieusement l'impression que Samus, son corps change. Et que c'est vraiment sale, par contre. Là, d'habitude, c'est pas sale. Mais alors là, franchement, c'est vraiment dégueu. Hein. Et le point d'impact est caché dans les nuages d'orage de cette planète, vous ne pourrez pas vous y rendre. Son corps change dans Metroid Fusion, c'est même confirmé dans Dread. Ah l'autre il spoil. Unit 217 a été affecté par un virus. Oui. Eh ouais, c'est prévu, hein. Metroid Fusion, ça fait 20 ans. Oui, mais c'est prévu que je fasse un petit marathon en Metroid 2D. Alors, on spoil pas. Donc on ne dit pas que Samus est... Quoi ? Samus, une femme ? Comment ça ? Je joue à un jeu vidéo où le personnage principal est une femme ? Et j'arrive pourtant totalement identifié ? Alors là, je suis choqué. Hein. Objet 21 sur 100. Ça va être long. Pouette, 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 pouette. C'est un sacré orage, hein. Fun fact. Ce qui a fait le plus chier les mascus, c'est que dans Other M, Samus est une femme avec des sentiments. Qui est quand même badass. Des sentiments. Bientôt, hein. Bientôt Other M aussi, hein. Ça fera partie des Metroid, de la série des Metroid 2D.
Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Est-ce que vous savez quoi? Non, vous savez pas quoi? Eh ben, on va faire une petite pause. Eh ouais! Eh ouais. Ça fait 1h20 que je joue. J'ai des courbatures. C'est vraiment trop intense. Trop intense. Donc, profitez-en. Allez faire un petit pipi, un petit caca. Moi, je vais faire pipi. Je recharge en thé. Et puis... et on se retrouve dans 2 minutes. Et on continue Metroid Prime 3. A tout de suite. Des bisous.